Juste les gars, vous auriez peut-être pu me dire de prendre une veste. Mais Harry, tu t'attendais à quoi un 15 décembre? C'est vrai que je suis souvent en contact avec la nature et là, la météo n'est pas clémente. Non mais franchement les gars, c'est pas une bonne idée de se fier à un génie. Non mais tout ça quand je me fie, moi. La nature, non. Le bruit que font les arbres à leur mouvement. Je me surprends en tant que peintre. Didi, Jean-Michel Nature là, tu veux pas qu'on avance là, qu'on progresse un peu? Les gars, ça va, j'ai touché à rien, je bouge pas. Mais je te dis mon gars, on est passé par Bégrol en rouge. À côté de Saint-Orens de Gameville. Mais bien sûr, il y a Bégrol les Granits pas loin. Je te dis qu'on est dans la bonne direction. Bah alors partons vers chez moi, on veut. Alors toi ça va, ça s'est réglé tes problèmes intestinaux? Jamais. Si, ça va beaucoup mieux, ouais. Mais alors, non mais si on décale par l'impasse des Trois Châtaignes. Attends. L'impasse des Trois Châtaignes c'est beaucoup trop loin, tu vois. Il y a le Larica qui est juste là, on peut pas y aller quoi. Bah on passe par Yvonne. Eucalyptus et filial. De la sève, en veux-tu, en voilà. Des vertus médicinales époustouflantes. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça ne pousse pas du tout en cette saison. Pas moyen de savoir comment cette casquette s'est retrouvée sur ma tête, quoi. En fait, je pense que le chocolat est tombé dans les champs de blé, et paf, ça. Bah, casquette sur la tête. Tu sais, Franck, je t'aime bien, mais des fois, t'es vraiment complètement con, quoi. Tiens, il y a la casquette qui s'excite. Les gars! Tout semble indiquer que l'artefact se trouve dans ce tunnel sombre. Mais non, mais les gars, on va pas y aller, il fait tout noir et en plus on n'a pas de lampe torche, quoi. Quoi? Parce qu'il fallait prendre des lampes torches en plus? Ouais. Paniquez pas les gars, moi j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. J'ai une lampe torche. Voilà. J'ai des lampes torches, un couteau suisse. J'avais ma piège à loup, j'ai des vivres pour une semaine. Je pense qu'on peut y aller les gars. Super. Allons sauver Annika. Les gars, il y a la casquette qui s'emballe. Quoi? On a trouvé l'artefact, les gars. Yes! Tu me prêtes ta veste? Non. Ouais, c'est cool ce truc, mais à quoi ça sert en fait? Tu verras ça plus tard, t'inquiète pas, t'as ce monde-là. Au moins. C'est bon, les gars, ils ont le colis. Vous pouvez vous ramener. Ça te dit en rentrant, je te fais une omelette aux frites. Pas un peu gras.
Non, non, je sais pas si on l'a fait à la façon belge. Ah, avec de la bière? Non, de l'huile de bœuf. Hé, hey, Franck! Tu veux pas leur demander s'ils ont pas des couvertures, s'il te plaît? Suffit! Donnez-nous l'artefact. Oh putain, l'enculé de fils de pute! Quoi? Mais comment il connaît notre nom? Bah attends, Franck, tu peux pas faire ça, quand je veux dire, t'es que quoi, quoi? Je vous ai bien roulé grâce à un subterfuge. Tu nous as pris pour des cons, là? Ouais, c'est ça. Arrêtez de pinailler, 22 picottes! Wow! Oh, 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 oh. Eureka, j'ai la solution. Alléluia. Tu éviteras de m'appeler quand tu auras fusil. Ouais, je vois que tu as récupéré le secret des étoiles. Pas mal. Ouais, c'est-à-dire que là on est un peu dans la merde, c'est un peu technique comme situation. Je vais voir ce que je peux faire. Tenez les mecs, j'ai trouvé ça sur un balafré à lunettes et ça pote la glace. Mais c'est quoi ça? Testicule de dragon, c'est très puissant. Et ça, c'est sphincter de licorne. Mortel. Bon, ok, mais on fait quoi maintenant? Allez! Sortez de votre cachette! Surtout toi, le hipster! Qu'est-ce qu'il a dit là? En fait, t'aurais pas des... Si, si, tiens, vas-y. Ouais, 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 c'est à toi que je parle, bouffeur de tofu. Et moi, je fais comment? Le sceptre des étoiles. Vas-y gamin, fais preuve. C'est une transit, Gloria! On vous aura! Ouais! Franck! Putain, les gars... Dis rien, Franck! Dis rien! En fait, je me suis jamais chié dessus. J'étais un agent triple. Un agent triple? Tu veux dire agent double? Agent triple. Je voulais pas vous décevoir, les gars. Mais tout ce que j'ai fait, c'était dans l'intérêt d'Ornick. Faut pas vouloir. C'est déjà un sujet. Pourquoi tu dis ça, Franck? On s'en branle que tu sois un agent double, un agent triple. T'es notre pote, mec. Hein? J'ai froid. Moi aussi, je te comprends. La chair.